Yo les gens, ici Rafi, c'est à 16h50, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grand Tour Sport. On se retrouve pour la découverte de la mage 1.43, donc information sur le contenu, c'est pour peut-être 1.43, Grand Tour Sport a été mis à jour. Donc en plus, il y a une bonne nouvelle, vous allez voir, comme je vous en avais parlé précédemment dans mes vidéos, donc la pluie est enfin arrivée. Donc information sur le contenu supplémentaire, donc on a la Nissan Silvia KS Dia Selection S13 de 1990, Subaru Impreza coupé WRX Type R STI version 6 de 1999. On a la Toyota Corolla Livin 3/2 1600 GT Apex AE 86 de 1983. On a la Honda S2000 de 1999 et la Mitsubishi GTO. Ah oh là là, Mitsubishi GTO. Oh, c'est une voiture mythique dans les Gran Turismo, franchement. Oh là là. Twin Turbo 91, donc c'est une qui était vraiment mythique dans les Gran Turismo, franchement. Bonne nouvelle de son retour. Et ensuite, on a information sur le contenu supplémentaire. On a le Red Bull Ring Coura. Donc on a le, ah bah c'est le Grand Prix de c'est quoi comme pays? Ah merde, je sais plus, Autriche, non? Il y a le Red Bull Ring. Il est dans les jeux de Formule 1 de toute façon celui-là. Je parle pas de la pluie, mais normalement la pluie est arrivée normalement. Donc on va aller voir les véhicules qu'on a et du coup on va pouvoir les tester ensemble. Donc je ferai comme à chaque fois des vidéos présentant les véhicules. À mon avis, c'est que des japonaises. À mon avis. Donc on a la Toyota déjà. On va voir ce que ça donne. Donc Toyota. Bah c'est celle-là, la Toyota. Alors la Toyota Corolla 1600 GT Apex. Donc je vais vous montrer plus spécialement à quoi ressemble. Ah oui, elle est vraiment pas mal. C'est pas, elle était pas dans un film, c'est pas une voiture mythique dans un film ou dans une série ou dans un manga même. Elle était, je crois, dans un manga. Alors comment il s'appelle le manga? Voilà, franchement, je sais plus comment il s'appelait, mais je crois que c'est une voiture mythique qui est dans un manga, je crois. Donc ensuite, donc de toute façon, je voulais acheter, comme ça, ce sera déjà fait. Acheter. Ah bah, on avait déjà, non? Ah, c'est pas la même. Celle-là, c'était la 1600 GT Apex. C'est quoi la différence alors? C'est quoi la différence alors? Entre les deux là? Ah oui, d'accord, celle-là, c'est la Sprinter Truno. Et là, c'est la Corolla Living. Donc c'est. Bah, pour moi, c'est les mêmes pratiquement, non? Ouais, ils se ressemblent pas, hein. Mais c'est la même année de toute façon. Donc je vais acheter déjà celle-là. Voir ce qu'il en est. Et oui. Utiliser des crédits pour obtenir. Oui. Ça, après, vous pouvez les acheter avec de l'argent réel. Hein. Mais c'est, je sais plus combien, 5 euros la voiture, je crois. Donc c'est assez cher. Donc tu disais, bah, je vais faire. Oui, comme ça sera la première voiture que je vais tester. On va la tester sur le grand, sur le circuit de Nürburgring, comme à chaque fois. Donc du coup, donc Nissan. Donc là, Nissan. Donc mythique Nissan Silvia, là. Assez connu celle-là aussi. Donc Silvia KS Dia Selection. Donc je vais vous la montrer comme ça, c'est le plus simple. Ah ouais, franchement, ouais, c'est pas les voitures que j'aime bien, franchement. Bah, je vais la prendre en gris, tiens, en gris celle-là. Hop. Ah non, c'est 99 centimes la voiture. J'ai une connerie. Tout à l'heure, je dis 5 euros, mais 99 centimes. Donc voilà quoi, franchement. Ça sert vraiment à rien de dépenser des sous pour une voiture qui coûte 25 000 crédits, quoi. Ça vaut rien quoi. C'est-à-dire que tous véhicules qui sont dans le jeu, que vous avez dans le jeu, qui viennent, proviennent de DLC, je pense que vous pouvez les acheter. Et ensuite, on a la Honda, donc la Honda S2000. Donc je crois que c'est le premier modèle celle-là. Alors est-ce qu'on avait la S2000? Alors est-ce qu'on avait plusieurs modèles ou pas? Non, c'était pas, non, elle était pas celle-là. Donc S2000, elle est là. Ah, je l'aime bien cette véhicule-là, elle est assez vieille, mais elle est bien. Donc je vais la prendre en jaune celle-là. Ah, elle est belle, franchement, claque celle-là. Je pense que je vais la prendre en jaune. J'aime bien en jaune, ça fait une belle couleur. Donc on va acheter également celle-là. 34 000, ça coûte assez cher. En plus, en ce moment, je joue pas beaucoup à Gran Turismo, donc je peux pas me faire beaucoup d'argent. Je joue pas trop. Mais bon, ça va remonter, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Hein. Je vais me refaire pas mal d'argent. Avant, je faisais tout le temps l'épisode tous les jours, mais je fais plus en ce moment, j'ai plus le temps. Et ensuite, Subaru, donc c'est une mythique aussi. Assez mythique à mon avis. Ah, elle est trop belle. La Ambreza coupée. Ah, je vais vous montrer comme ça. Ambreza
coupé WRX de 92. Ah, elle est trop belle. Je la trouve trop belle. Ah, par contre, elle est pas dans ses couleurs d'origine. Par contre, en bleu nuit, elle est bien, en bleu comme ça. J'aime bien. Je pense que je vais me prendre cette couleur-là, elle est belle. Allez, c'est parti. 30 000. Bon, ça coûte assez cher, mais franchement, là, ce que j'ai dépensé en argent, vous faites une course, vous gagnez presque 200 000, donc ça vous fait pas mal d'argent, quoi. Donc, non. On va aller voir sur un circuit s'il y a vraiment la pluie. Alors, si on peut vraiment mettre la pluie. Parce qu'apparemment, la pluie est arrivée. Et la mythique, alors là, véhicule que j'adorais dans les Gran Turismo, dans les premiers Gran Turismo, la Mitsubishi GTO. Oh là, franchement, elle est trop belle. Twin Turbo 91. Que j'avais monté dans Gran Turismo 1, je crois, ou même dans le 2. À plus de 1000 chevaux, et c'était ma voiture fétiche, quoi. Ah, elle est trop belle cette voiture. Putain, je pense que je vais la prendre en blanc. Je vous montrer vraiment en vue. Ah là, franchement, elle est trop belle. Oh, c'est une voiture mythique celle-là, franchement. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez joué avec, mais franchement, elle est mythique cette bagnole. Oh, allez, c'est parti. On va l'acheter. Et on va faire un petit tour avec le nouveau circuit, voir s'il y a vraiment la pluie. Si on peut rajouter de la pluie. Et je prendrai sûrement la Ambressa pour voir. Alors, non, pas en couleur avec. Donc on va voir déjà si on peut. Et en photo, ils ont pas mis de nouvelles photos, non? Non. Ils ont pas mis de nouvelles photos? Bizarre ça. Skype, ils ont pas mis de nouveau, je pense pas apparemment, non? Ils ont pas mis de nouveautés? Non, c'est nul ça. Ils ont pas mis de nouveautés au niveau course également, il me semble qu'il n'y a pas de nouvelles courses. Campagne GT, on va voir quand même s'ils ont pas mis des nouvelles courses ou pas. Ah, apparemment oui, Ligue débutant, ils ont mis... Ligue débutant, c'est où qu'ils ont des nouvelles? Ah oui, nouveauté. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Red Bull Ring. Ok. Et ils ont mis le Goodwood. Ok. En festival Beatles et ou Samba Bus. Donc là, je vous ferai la vidéo également. Et ensuite, ils ont rajouté quoi du coup? Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Nouveauté. Ah, ils ont remis des courses en G-Spur du coup. En version G-Spur. Donc ça, c'est pareil, je vous ferai la vidéo. Ils ont rajouté le circuit de Autopolis interdit. International Racing de 5 tours et puis une course de 6 tours sur le Red Bull Ring, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Est-ce que c'est la pluie ou pas? Non, ils mettent pas si la météo, non? Je pense pas que c'est pas sous la pluie. Hein. À mon avis, je pense pas. Hein. Nuageux. Pluie. Ah, pluie, voilà. C'est bien ça, nuageux et pluie. Nickel. Ah oh là là. L'autre, c'est pareil, non? C'était celle-là, du coup. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Pluie et... Ensoleillé, d'accord. Ils ont rajouté quelques courses sur la pluie, donc ça peut être pas mal également. En professionnel, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ah, ils ont rajouté ça. Mais je suis pas encore arrivé ici en professionnel. Je suis pas encore arrivé dans cette catégorie dans mes vidéos. Pluie et ensoleillé. Ok, d'accord. Donc ça, c'est nickel. Et endurance, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Porsche. Nürburgring, d'accord. Du coup, ensoleillé, d'accord. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Du coup, on va tester une petite course de pluie si on peut la faire. Donc on va là en arcade, course simple, contre l'IA. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut peut-être tester le nouveau circuit, Nürburgring. Ça peut être pas mal. Alors Nürburgring, Red Bull Ring, mondial. Donc ça c'est le nouveau circuit normalement. Ouais c'est ça, c'est le nouveau circuit. Donc on va rajouter ça. C'est où qu'on a la pluie? Ah merde, il n'y a pas la pluie. Ah pluie. Pluie, voilà. Ah nickel. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourra prendre comme voiture? On pourra prendre une nouvelle que j'ai achetée récemment. Attendez, hop, acquisition. Véhicule par acquisition. Ah bah c'est où, attends, attendez. Classé par acquisition, voilà. Je pense que je vais prendre la petite Subaru. Ça peut être pas mal. Bah voilà, c'est parti. On va la laisser telle quelle. La caisse, on va la laisser telle quelle. Donc course, on va mettre quoi? Bon, on va essayer de se mettre 13 000. On va essayer de mettre professionnel et on va mettre 13 000. C'est de faire ça. Et après, moi, de mon côté, je vous ferai. Bah, pas de mon côté, mais je vous ferai toutes les présentations de chaque véhicule. Même si celle-là, je vous la fais tout de suite. Je vais quand même présenter ce véhicule dans mes vidéos de présentation, quoi. Vous inquiétez pas, je vous ferai quand même. J'ai encore un message de MP. Le site où j'achète mes pop, ils me disent bon d'achat 10 euros sur 60 euros d'achat. Donc réglage, ok, donc on va faire ça, hop, hop.
Hop, on va se mettre comme ça, nickel, pour être bien. Ah, par contre, il y a une limite de chevaux, merde, fais chier. J'ai pas vu qu'il y avait une limite de chevaux. C'est quoi la limite du coup? Donc la limite, c'est 348 chevaux, ok. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de limite. À mon avis, il n'y a pas de limite. Alors, est-ce que pluie, c'est des pneus de pluie ou pas, non? Non? Ah, il n'y a pas de pneus de pluie! Ah, et course pluie, voilà. Course pluie, ok, on est obligé de mettre ça parce que sinon on va se croûter la gueule. Du coup, on va laisser comme ça, ok, nickel, on va essayer de tester ça. Sous la pluie, voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais des courses sous la pluie. Ah, ouais, nickel. Ah, c'est nickel ça. Est-ce que c'est bien fait aussi? Waouh! Ça glisse. Quand je vais te mettre. Ah ouais, vraiment. Vraiment sympa l'effet. On a vraiment un bruit de pluie, je trouve. Donc est-ce que c'est aussi bien que dans. Qu'on appelle ça? Merde. Projet de car, la pluie, c'était vraiment le jeu qui avait vraiment fait un bon effet. Waouh! Par contre, pour s'arrêter, c'est la merde. Waouh! Ah, du coup, c'est un circuit qui est dans F1 2019, donc dans la Formule 1. Red Bull Ring, il est assez connu. Je crois que c'est le Grand Prix d'Autriche, si je me trompe pas. Peut-être que je dis que c'est une connerie, mais je crois que je me trompe pas. C'est le Grand Prix d'Autriche. Bon, là, je fais pas pour gagner, hein. Si je gagne, mais si je perds, je perds. Je fais vraiment ça pour tester un circuit. Enfin, le nouveau circuit et mettre la pluie, c'est encore mieux. Par contre, le bruit, c'est bien fait. Hein. La voiture, c'est puissante, on va dire. Elle est pas pourrie, quoi. Est-ce qu'on porte vraiment bien sur la pluie, je trouve. Après, certains véhicules vont peut-être se comporter moins bien, mais celle-là, je trouve qu'elle a un bon comportement, on va dire. Ah, et franchement, je suis content qu'il y ait une nouvelle match, là. Même si je ne vais pas jouer des matchs dessus. Mais au moins, ça nous fait du nouveau contenu, de nouveaux véhicules. Donc, merci encore à Polyphilie Digital de nous avoir fait une nouvelle match gratuite. Également, chaque match de Polyphonie Digital sont gratuites, c'est ça qui est très bien. Ça un bon truc parce que vous payez le jeu vraiment à plein pot, 70 balles quand vous l'achetez d'origine, mais après tout le reste c'est gratuit quoi. Je pense que tous les éditeurs devraient prendre de la graine parce que depuis le début que Gran Turismo est sorti, je sais pas combien une image, mais au moins une bonne dizaine, je crois, facilement. Et à chaque fois c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Ah, du coup, par contre, c'est bien, c'est qu'ils ont changé. Vous voyez sur le côté la couleur. La couleur du chrono, normalement, c'est gris, théoriquement. Et je crois qu'ils ont mis bleu parce que comme il y a la pluie, pour pas que ça se confonde trop avec la pluie. On va changer un peu de vue, si vous voulez. Si vous voulez bien, je veux dire. Non, franchement, je suis content qu'il y ait la pluie. C'est un bon truc, je trouve. Là, ils nous gavent, franchement, avec cette mise à jour. En plus, la pluie, depuis le temps qu'on l'attendait. Bon, malheureusement, il n'y a toujours pas le circuit de Francorchamps, mais peut-être qu'il peut arriver prochainement. Ah, mise à jour de F1. Le genre assez court d'évolution, alors je sais pas c'est quoi la prochaine, la nouvelle mise à jour. Ça fait longtemps, c'est un jeu que j'ai joué aussi il y a pas mal de temps. J'avais rejoué un petit peu là dernièrement, là, sur la petite aime bien ce jeu là. Ma fille aime bien ce jeu là avec les dinosaures. Elle adore ça. Donc, de temps en temps j'y joue pour y faire plaisir. Et comme j'ai pas fini le mode histoire, bah, ça me permet de jouer toujours de temps en temps, sans me gaver, vous voyez. Sans se gaver du jeu, bah vous jouez de temps en temps. Une petite heure ou deux, bah voilà, de temps en temps, ça vous change un peu les choses, on va dire. Ça fait comme Gran Turismo, c'est pareil. Hein. C'est ça que j'aime bien, moi, ouais, c'est quand. C'est un jeu qui se renouvelle sans cesse, on va dire. Parce que bah il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent chaque mois pratiquement. Sur le dernier match, c'était début août, d'ailleurs on a un nouvel match fin août, donc c'est ça qui est trop bien. Donc la pluie, on la ressent, mais voilà quoi, c'est pas flagrant, on va dire. Faut vraiment tarder sur les. Vraiment freiner au. Un peu avant que de votre habitude. Mais sinon, ça se ressent pas trop, je trouve.
Par contre, c'est vraiment bien fait, je trouve, au niveau de la pluie. C'est vraiment bien foutu, quoi. De toute façon, je pense que le jeu s'adapte au circuit par rapport à la pluie. Ils doivent vraiment adapter les freinages par rapport au temps sec, à mon avis. Ça doit être différent. Il manquera plus que de la neige. Ce serait pas mal d'avoir de la neige. Surtout sur la terre. Sur ce qui est de circuit de terre, mais de la neige. Pourquoi pas, ça peut être un bon ajout aussi du jeu. Mais ça glisse pas des masses, hein. Franchement, la voiture glisse pas. Hein. Ça encore, c'est gentil, quoi. Trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi. Après, je sais pas, pour ceux qui ont le jeu, bah, vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de votre test de votre côté. Mais moi, je trouve que c'est un bon ajout, la pluie, c'est vraiment. Même si c'est pas vraiment flagrant, on va dire, au niveau de la conduite. Ah, parce que. Ah ouais, mais là, je la regarde pas vraiment. Je regardais vraiment pas la route, donc je faisais pas attention. Par contre, la voiture, on l'entend bien. Quand elle vous double, on entend bien la pluie. Il y a des vues qu'on entend plus la pluie que d'autres. Par exemple, cette vue-là, là, on l'entend plus. Vous voyez, on voit bien qu'on roule sur la pluie, quoi. Et quand il y a une voiture qui vous colle, pareil, vous entendez le bruit de ces roues qui. Bah, qui roule sur la pluie, quoi, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Putain, je vais perdre ma course, moi, merde, le con. Non, ça va. J'aurais gagné quand même, normalement. Ouais. Ouah, peut-être pas. Non, c'est bon, je vais gagner. Ma voiture a une meilleure accélération que la sienne. Ouais, j'ai gagné ma petite course, tranquillou. Donc j'ai gagné 13 000 crédits, apparemment. Comment, tu me trompes pas? Course simple Red Bull professionnel terminé. C'est quoi, c'est un nouveau truc? Bizarre. 13 300, ok. C'est bizarre ça, j'ai eu un nouveau truc d'ajouter. J'ai pas compris ça, pourquoi ça fait ça. Je vais quand même aller voir dans le menu, mais ça m'a dit un petit truc, comme c'est que j'avais fait le truc. Bah ouais, bizarre. Arcade, course simple. Bizarre. Bon, c'est bizarre, ça m'a fait comme si. Ah oui, parce que. Bah non. Bah, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Ça. Je sais pas si vous avez vu sur le côté, mais ça m'a fait un petit rappel comme si que comme j'avais gagné la course. Bon, c'est bizarre. Ou soit c'est dans les courses. Non, attendez, je vais regarder là. Il n'y a pas un petit truc qui se. Voilà. Ah, c'est quoi ce truc là où on voit des trucs ronds là sur le côté? Vous voyez? Sardaigne. Là, est-ce que parce que la course on l'a déjà. Ah! Peut-être parce qu'on l'a déjà faite, non? Bon, je sais pas, je comprends pas trop. Je sais pas c'est quoi ce truc là. Bon, je sais pas. Je pense que c'est parce que j'ai gagné la course, hein. Terminé. Terminé, ok. Je sais pas, je comprends pas. Bon, je sais pas, voilà. Je vais pas m'attarder sur ça. Donc je pense, bah il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nouvelles photos, dommage, il n'y a pas eu de nouvelles photos. Donc moi je vais faire ma petite miniature tranquillou, comme je vous fais d'habitude avec les nouveaux véhicules qui arrivent. Et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Salut, bye bye, porte-vous bien. Peace!